j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat algérois qui est composé de boulettes de viande hachée, de pommes de terre, de pois chiches et de sauce rouge. Donc, on commence. Pour cela, il vous faut 2 tomates, 1 cuillère à soupe de semain ou de beurre, 2 oignons, 1 dizaine de gousses d'ail. Ensuite, pour les épices, il faudra 2 cuillères à café de paprika, 1 cuillère à café de cumin, du sel et du poivre à votre convenance. Alors pour commencer, on va prendre un hachoir, un mixeur, et on va y mettre les gousses d'ail et on va couper grossièrement les oignons. On va aussi mettre les tomates, donc on a épluché avant. Je vous déconseille de mettre la peau, c'est vraiment très désagréable dans une sauce. Et voilà, vous les coupez en petits morceaux. Donc je vous mets la recette détaillée sur mon Instagram et en barre d'infos. Une fois que vous avez tout mis, vous mixez, donc ça devrait vous donner cette consistance-là. Et ensuite, dans une marmite, vous faites fondre le beurre ou le semaine, ça dépend de ce que vous avez mis. Une fois que c'est bien fondu, bien chaud, vous y ajoutez votre mixture. Vous ajoutez ensuite les épices et vous mettez ensuite 100 g environ de purée de tomate, de coulis de tomate. Vous mélangez et vous remettez sur feu doux pendant qu'on fait le reste. Alors pour la suite, il faudra 500 g de viande hachée à laquelle on ajoutera 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre. Vous pouvez ajouter plus ou moins, hein, c'est à votre convenance. Vous ajoutez un peu de coriandre, environ 2 cuillères à soupe de chapelure. Vous ajoutez du paprika doux. Ensuite, vous mettez une cuillère de cumin, 1 cuillère à café. Vous mettez de l'ail et ensuite, vous finissez par mettre un œuf. Ensuite, avec la main ou avec la fourchette ou avec la cuillère, avec ce que vous voulez, vous malaxez jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et on commence à façonner des boules avec toute la viande hachée que vous avez préparée. Vous pouvez peser les boules pour qu'elles aient toutes la même taille, mais honnêtement, c'est une perte de temps ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait toute la viande hachée en boulettes, vous reprenez la mixture qu'on a mis sur feu doux et vous y mettez les boulettes de viande hachée. Donc vous pouvez les mettre toutes, même les mettre les unes sur les autres, il n'y a aucun problème. Vous venez ensuite recouvrir d'eau chaude l'entièreté des boulettes. Donc tout doit être recouvert comme ceci. Vous couvrez et vous mettez sur feu doux. Pendant 30 à 45 minutes, normalement ça devrait être cuit, mais surveillez quand même. J'ajoute maintenant un petit bol de pois chiches. Donc moi, mes pois chiches, ils sont déjà cuits et congelés, donc je les mets au dernier moment. Et ensuite, vous coupez des pommes de terre en frites que vous ferez frire et que vous présenterez dans un plat comme sur la vidéo et que vous dégusterez avec un bon pain maison. Je vous mets aussi la recette du pain maison dans la barre d'infos et en haut à droite. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très vite. Bisous !